Christian Jonic, je suis pasteur d'une église protestante ici à Ransard, pour Emmanuel, mais également secrétaire de la pastorale évangélique de Charleroi. Donc cette année 2009, nous fêtons le 500e anniversaire de la naissance de Jean Calvin. Et ici, la particularité de cette exposition sur Charleroi-Ransard, c'est le fait que plusieurs églises protestantes de la région se sont associées pour mettre en valeur justement Jean Calvin. Nous avons proposé des visites guidées, sachant que la maison communale est toujours ouverte de 8h à 4h30 sans problème pour voir l'exposition. Mais il y a aussi des groupes, donc des enfants qui vont venir au moins de deux écoles protestantes, l'école de l'Alliance à Marchienne et l'école des Perles à Marcinelles, à voir donc cette exposition avec leurs professeurs. Par rapport à l'exposition, il existe toute une quantité de panneaux pédagogiques que l'on pouvait trouver sur Internet, qui ont été réalisés en France, en Suisse, voire même en Belgique. Mais nous voulions mettre une touche assez particulière à cette exposition. Il y a entre autres, nous le verrons peut-être après, donc des panneaux qui ont été réalisés par plusieurs enfants des différentes églises de la région, illustrant des versets bibliques. Mais on a aussi une artiste en interne au sein de notre communauté, donc Coralie, qui a réalisé le tableau ici derrière, en reprenant donc Jean Calvin avec différentes techniques de dessin. Parmi les panneaux pédagogiques que nous avons donc, nous exposons ici à la maison communale de Ransard, j'aimerais mettre en avant le panneau 17 qui nous parle de Jean Calvin, pas si rabat-joie que ça. Et en effet, dans son œuvre majeure qu'il a commencé à écrire à 27 ans, l'institution de la religion chrétienne, il a écrit ceci: il n'est en aucun lieu défendu ou de rire, ou de se rassasier, ou d'acquérir nouvelles possessions, ou de se délecter avec des instruments de musique, ou de boire du vin. Et dans cette même foulée, donc ici à Genève, j'ai eu l'occasion de me rendre pour l'exposition à Genève et de visiter les caves de Genève qui ont mis en bouteille un 4 vins, dont celui-ci, un vin blanc, terre d'accueil, symbole de la vocation d'accueil internationale de Genève. L'auditoire de Calvin, qui abrita jadis les réfugiés réformés, sert aujourd'hui de chapelle. Parmi les éléments et les timbres donc que nous avons rassemblés, je mettrai en avant celui-ci, c'est donc Idelette de Bure. C'est l'épouse de Jean Calvin, et pourquoi la mentionner peut-être plus que les autres? C'est parce que son épouse est d'origine belge et même liégeoise. Ce sont les gravures et les pièces. La dernière date de 2009, que voici. Et la plus ancienne que nous avons pu retrouver est donc celle-ci, qui date de 1554. Vous savez pourquoi on fait une exposition sur Jean Calvin? Parce que en 2009, donc cette année-ci, on fête le 500e anniversaire de sa naissance. Donc il y a 500 ans d'ici, Jean Calvin est né. On fête quelque part son anniversaire. C'est parce que il était protestant, oui, et il a fait beaucoup au niveau du protestantisme, mais le plus important, un moment bien rappelé, c'est qu'il croyait en Dieu. C'est quatre grandes statues qui reprennent quatre réformateurs qui s'appellent Guillaume Farel. C'est un qui habite de Genève et qui a fort influencé Jean Calvin, c'est dans les questions. Guillaume Farel, retenez. Hein. Il y a John Knox, il y a Théodore de Bèze et Jean Calvin. Alors, on va continuer un petit peu. Jean Calvin, c'est quelqu'un qui... Quand est-ce qu'on écoute le message à l'église? Combien de fois par semaine? Deux fois. Une fois le dimanche et une fois le jeudi. Et bien avec Jean Calvin, c'était 7 jours sur 7. Il a beaucoup parlé et il a beaucoup écrit ce monsieur parce qu'il voulait transmettre beaucoup de choses, parce qu'il avait reçu beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup? On le donne et on le partage. Et bien Jean Calvin, c'est ce qu'il a fait aussi. Et il a donc écrit beaucoup de livres aussi, parce qu'à ce moment-là, ici,
y a plusieurs religions en Belgique. Et il n'y a pas de problème. Mais du temps de Jean Calvin, c'était bien différent. Si on n'était pas de la religion catholique, j'ai beaucoup de respect pour les catholiques, et avec l'autorité qui était en place à ce moment-là, on ne pouvait pas trop discuter de certaines choses. Maintenant, on peut, et tant mieux. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas avoir un avis différent.